On a des flux industriels qui ont été amenés, qui se sont diffusés dans la masse de déchets non dangereux. Donc l'intérêt, c'est, même si ça ressemble à de la terre, l'intérêt, c'est de pouvoir décontaminer. Donc le phytomanagement, donc l'intervention des plantes pour venir phytostabiliser les éléments transmétalliques, bloquer les voies d'exposition vers des cibles comme l'homme ou les animaux par des couverts végétaux, permettra en fait d'aboutir au bout peut-être de 20 ans, hein, je ne peux pas donner de délai, mais à une dépollution complète du site, une véritable restauration écologique.